Je mets mes chaussures. 3, 4, je frappe à la porte. 5, 6, je ramasse du bois. 7, 8, je le mets en tas. 9, 10, encore une fois. Oui, c'est bien. Le marché aux couleurs. Bonjour, papy. Est-ce que c'est l'heure du goûter? Bien sûr, 6. Bonjour, allons faire un tour. Youhou! Nous voilà! Les roues de la voiture tournent, 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 tournent. Les roues de la voiture tournent, tournent à travers la ville. Les amis dans la voiture se baladent, se baladent, se baladent. Les amis dans la voiture se baladent à travers la ville. Le klaxon de la voiture fait bip, 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 bip. Bip, bip, bip. Le klaxon de la voiture fait bip, bip, bip à travers la ville. Les portes de la voiture s'ouvrent et se ferment. S'ouvrent, se ferment, s'ouvrent et se ferment. Les portes de la voiture s'ouvrent et se ferment à travers la ville. C'était rigolo. Au revoir et à bientôt. Envie de jouer avec plaisir. Avec toi, j'adore jouer. Prendre le temps de s'amuser. Il y a tout un monde à découvrir. Apprendre à partager. Dire je t'aime. Et le répéter. Je m'appelle Papy et je suis joueur. Sois mon ami et jouons en chœur. On peut chanter et danser, courir et marcher. Soyons amis et on va s'amuser. Jeu de ballon.
peut-on faire d'autre avec un ballon? Oh, énormément de choses, Sis. On peut le faire rouler. Penche-toi vers le sol, comme si tu touchais tes orteils. Fais rouler le ballon vers ton ami. C'est comme cela qu'un ballon roule. Fais rouler le ballon vers ton ami. Roule, roule, roule. Oh non! Qu'est-il arrivé à notre ballon? Monkey, tu veux apprendre à faire rouler le ballon? Bien sûr! On fait comme ça! Fais rouler le ballon vers ton ami! Fais le rouler vite ou doucement! Fais rouler le ballon vers ton ami! Regarde comme il roule vite! Et tu sais aussi ce qu'on peut faire avec un ballon? On peut le faire rebondir! Fais rebondir le ballon! Fais-le rebondir! Il vient vers toi! Fais rebondir le ballon! Fais-le rebondir! Oh! C'est ainsi que nous jouons! Fais-le rebondir! Fais-le rebondir! 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 Reviens, Monkey! Oh, Monkey! On se passait le ballon! Ah bon? Oui! Comme ça, on joue tous ensemble! Oh oui! Maintenant, tapons dedans! Hop par-ci, hop par-là et très rapidement, lâche le ballon et tape dedans! Hop, hop, tape dedans! Vite, vite, tape dedans! Comme cela, tape dedans! Tape dedans! Tape dans le ballon! Monkey, pourquoi as-tu fait cela? Je pensais qu'on pourrait jouer tous ensemble! Froggy aussi! Oh! Froggy! Monkey, c'est une idée géniale! On le fait rouler lentement. On le fait rebondir. Oh! On tape dans le ballon jusqu'à l'envoyer dans le ciel. Nous sommes amis, nous nous amusons, nous jouons ensemble, tous ensemble. Histoire rigolote. C'était chouette. Oui. Et maintenant, papy? C'est l'heure de lire une histoire. Allons lire un livre, lire c'est tellement bien. C'est l'heure de lire, allez viens nous rejoindre. Coucou Monkey, prêt pour une histoire? D'abord, il faut trouver le livre. Joue avec moi. Cherche, cherche, cherche. J'adore jouer. Est-ce que c'est le livre devant la chaise? C'est un ballon. Cherche encore. Un ballon. Est-ce que c'est le livre derrière la chaise? C'est un train. Cherche encore. Un train. Est-ce que c'est le livre là tout en haut? C'est un lapin. Cherche, tu es presque. Un lapin. Oh. Est-ce que c'est le livre là tout en bas? Oui, c'est le livre. Il se trouve bien là. On l'a trouvé! Oui. Merci, Monkey. C'était chouette. C'est l'heure de lire une histoire tous ensemble. Attends, où est Froggy? La lecture, c'est un bon moyen de partager plein de choses avec ses copains. Ensemble, on pourra revivre toutes les histoires du livre. Wouhou!
ton histoire préférée? Chut! Viens t'amuser avec tes amis. Allez, viens, ouvre la porte. Nous allons rire, nous amuser et apprendre tout au long de la journée. Viens jouer! Découvrir la météo avec Papy. Papy, qu'allons-nous faire aujourd'hui? Eh bien, Sis, nous pouvons faire semblant que c'est le printemps. Commençons par un jeu. Imagine que le printemps est arrivé. S'il fait chaud mais qu'il pleut, quels vêtements faut-il porter? Tadam! Me voilà! Oh, Sis, n'oublie pas, nous faisons semblant que c'est le printemps et qu'il pleut. Et si tu portais ton imperméable? Le printemps est arrivé! J'ai un parapluie et un imperméable. Sauter dans les flaques, c'est tellement agréable! C'était très amusant, Papy! Quelle est la saison suivante? Eh bien, après le printemps, c'est l'été! Imagine qu'il fait très chaud et que nous allons à la plage! Et si tu mettais ton maillot de bain? D'accord! Et voilà, je suis prête pour l'été! Le soleil brille, il fait beau et chaud. Un maillot de bain, c'est tout ce qu'il me faut. Pour se rafraîchir, il suffit de plonger à la piscine ou à la plage. Vive l'été! Continuons à faire semblant. Quelle est la saison suivante? D'abord le printemps, ensuite l'été, puis l'automne, c'est ça? Tu as raison, Sis. Tu te souviens de ce qu'il se passe en automne? Il commence à faire froid et tous les arbres changent de couleur. Oh oui! C'est vraiment très joli! Tadam! Tu as raison! Je regarde les feuilles qui tombent et tourbillonnent. Est-ce cette saison qu'on appelle l'automne? Sautons dans les feuilles et rions de bon cœur. Voici l'automne! Ces couleurs! Papy, c'est bien l'hiver qui vient après l'automne? Oui, c'est bien ça! Je sais ce que je vais porter cet hiver! Parfait! Habillons-nous et allons jouer dans la neige! Pour de bon! Nous sommes si contents lorsqu'il neige, les doux flocons tourbillonnent! On m'étouffle dans des vêtements douillés! Youpi! C'est l'hiver! Hiver, printemps, été, automne. Voici les quatre saisons. Comme la météo peut toujours changer, enfile de bons vêtements et souris à pleines dents. Allons à la ferme. Papy, où allons-nous aujourd'hui? À la ferme. On va se promener pour aller à la ferme. Nous allons tous rencontrer les animaux qu'on aime. On va bien s'amuser à tous les observer, à les écouter et à les voir jouer. Oh, regarde, c'est Ducky. Bonjour Ducky, où est ta maman? Viens avec nous, on va t'aider à la retrouver. Mais
Et vous êtes la maman de Ducky? Mais non, c'est un mouton! La vache fait... Le cochon fait... Et le mouton fait... Mais il faut trouver qui fait... Pour trouver maman canard. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Pour le savoir, suivons Froggy. Comptez, c'est merveilleux. 5, 6, mélange les chiffres. 7, 8, comptez, c'est rigolo. 9, 10, jouons à nouveau. Chantons. Ouaf, 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 1, 2, 3, veux-tu compter avec moi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ouaf! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, je connais mon alphabet. La prochaine fois, chante avec moi. Compte avec Monsieur Cookie. Salut, 6. Bonjour, papy. Quel est ce bruit? Oups, c'est mon ventre. J'ai faim. Moi aussi! Bonne idée, Froggy! À table! Mangeons! J'ai des cookies, combien en vois-tu? J'ai des cookies, combien en comptes-tu? Un, deux, trois, quatre, cinq! Je veux voir! Je veux voir! Et... Un... Deux... Trois... Quatre! Combien de cookies y avait-il avant? Cinq! Mais où est donc parti l'autre cookie? Je ne sais pas. Est-ce qu'il est sur la table? Est-ce qu'il est sous la table? Et Monsieur Cookie, c'est toi qui l'as mangé? J'ai mangé un cookie. Je devais bien en manger un. Il avait l'air si bon. Et il était ici. Je n'en ai jamais eu. Ils sont tellement bons. Je me disais, et si on partageait? Partageons. Oh oui. Un pour moi et un pour toi. Froggy aussi y a le droit. Monsieur Cookie peut en avoir un autre, puisqu'on est quatre. 1, 2, 3, 4. Apprendre les contraires avec le scooter. Quel est ce bruit? Bonjour tout le monde. Bonjour, papy.
Il fait trop beau pour rester à l'intérieur. Veux-tu aller dehors? J'ai une ou deux surprises pour toi. Oui, bien sûr. Génial. Ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, ouvrir et fermer la porte. Dedans et dehors, dedans et dehors. Sortons dehors et jouons. Oups, désolé. La grande surprise. Se balader et ouvrir grand les yeux. Trouver une surprise, rien que pour nous deux. Je me demande bien quelle surprise ce sera. Il faut attendre un peu pour la découvrir. J'adore les surprises, je les trouve si amusantes. J'espère qu'elle sera spéciale et qu'elle plaira à tout le monde. J'adore les surprises, je les trouve si amusantes. J'espère qu'elle sera délicieuse, une bonne chose à manger. Je me demande bien quelle surprise ce sera. Il faut attendre un peu, attendre pour la découvrir. Papy, est-on bientôt arrivé? Il y a beaucoup de vent. Allez, on peut y arriver. Bientôt arrivé. Montez la colline! Youpi! Oui! Maintenant, on peut descendre! Wow! C'est amusant de rouler vite! Wow! On ferait mieux de rouler lentement! Wow! Où se trouve-t-on? C'est la grande surprise! La maison de jeu! Viens avec moi et jouons! Ouvrir et fermer la porte. Dehors, dedans, rentre ou sort. Du haut du toboggan, glisser jusqu'en bas. Roulons vite ou lentement. Les contraires sont partout. La pluie est arrivée, l'araignée est tombée. Le soleil est revenu et a tout bien séché. Et la petite araignée est de nouveau montée. Tous à bord du train des animaux. Vite à la foire aux animaux. Les animaux, je trouve ça si beau. Il y aura des petits et des grands aussi. Et le plus grand, ce sera qui? C'est l'éléphant 6. Oh, j'espère que j'en verrai 6. Regarde, écoute, car c'est comme un zoo. À la foire aux animaux. Tous à bord pour la foire aux animaux. Regarde, écoute, car c'est comme un zoo. À la foire aux animaux. C'est quoi ce bruit? Regarde, Six, c'est un phoque. Tous à bord. J'aime bien le son du phoque, mais je voudrais trouver un éléphant. Regarde, écoute, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Toutes sortes d'animaux. Des grands animaux. À la foire aux animaux. C'est quoi ce bruit? C'est un lion. Mais où est l'éléphant? C'est quoi ce bruit? C'est un oiseau. Tous à bord! J'aime les lions et les oiseaux. Ce ne sont pas les plus grands. Regardez, écoute, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Et
C'est un éléphant. Il est si grand. Oh, Froggy, tu l'as trouvé. Et nous avons une petite surprise pour toi, Sis. Oh, c'est vrai? Un bébé éléphant. Oh. À la foire aux animaux, il y avait des animaux très beaux. Un lion, un phoque et un bel oiseau. Et une maman éléphant avec son bébé. Ils étaient rigolos. On a bien regardé et bien écouté tous les animaux. Les petits